Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk avec Elouan. Salut. Yo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire une petite partie de cache-cache sur FMC. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours, pensez à lâcher un max de pouces bleus et pensez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça nous fait super plaisir. Bonne vidéo. Allez, c'est parti les amis, voyons voir un petit peu les blocs. Oh, intéressant, intéressant. Ouh, on part sur ça. Allez, vous savez quoi les amis, je suis un grand fan des planches. Allez, on le dit, t'es parti sur quoi toi? Soit fair play. Je suis parti sur une biblio. Ok, parfait, c'est cool. Surtout il nous ment, on sait pas. On ne sait pas les amis, on verra bien s'il nous ment ou pas. Je suis pas un menteur. J'espère pour toi, Elouan. Voyons voir. Oh, cette map est trop bien. Cette map est trop cool. Par contre, on aurait dû partir sur le pot de fleurs. Voyons voir. Bien choisi du coup. Alors c'est vraiment trop cool, moi vous savez quoi, j'adore me cacher dans ce coin là, personnellement, ouais, c'est plutôt sympa de se cacher par ici. Ouais, la dernière fois je me suis caché là, et personne m'a vu de toute la game. Bon, on va peut-être pas se mettre là aujourd'hui, parce que vu qu'on est une planche ça marche pas trop. Oui. Captain Kirk tryhard sa vie. Ah les cache-cache. Ah mais je tryhard parce que j'aime bien, tu vois. Quoi? Non, t'abuses. Certaines maps je connais les cachettes parce qu'elles sont faciles, là je connais pas des bonnes cachettes pour une planche par exemple, je vais pas te mentir. Je ne vais pas te mentir, je sers sur la cassette comme toi, là c'est trop dangereux ici. Je suis dans l'herbe gros, putain. Mais c'est pas, je vais te rejoindre dans l'herbe, t'inquiète, j'ai failli y aller d'ailleurs tout à l'heure. De toute façon. Oh, si on se mettait là. Oh non, attendez. J'aime bien cette cachette. L'idée de cachette est bonne, vous voyez. L'idée de cachette est bonne, mais à la fois un petit peu risquée sur les bords. On peut-être pas risquer de faire ça. En tout cas, c'est grand ici. Franchement, même si on se fait trouver, enfin, on a largement le temps de courir. En toute honnêteté, les amis, on a le temps de s'enfuir. Oh, c'est bien, mais c'est hyper grand. J'ai même pas qu'il y avait un deuxième étage. C'est bien. C'est trop bien. Par là. C'est trop bien. Alors, du coup, on va chercher dans les chambres. Ça n'a pas une cachette plutôt parfaite, les amis. Du coup, t'as fait une planche. Ouais, je cherche encore la cachette. Mais moi, tu sais que tu me connais. Hein, j'aime bien chercher la bonne. Et une fois que j'ai la bonne, je ne bouge plus. Ok, bon, bah d'accord. Alors, loulou, ne faites pas le malin. Ah, y a mon cœur qui bat. Pourtant, y a personne. Le moment, faut attendre. Y a un mec qui se rapproche là. Alors, on est dans une chambre, les amis. On est dans une grande chambre. Et je ne vois toujours pas de cachette pour les planches de bois. Oh, j'ai peur. Bismillah, j'ai peur. Pourquoi j'ai pas de cachette? Attendez. Zarma, il m'a pas vu. Tu peux éviter. Ah, regardez, on se met là. Si on se met là, est-ce que c'est cramé d'après vous? Logiquement, on n'est pas cramé, regardez. C'est une magnifique cachette, regardez. Voilà. Non, mais tu sais, je dis ça pour rigoler en mode arrête-toi, s'il te plaît. Allez, il y a 6 mecs qui cherchent, c'est intéressant. Du coup, ouais, les amis, on est caché à partir de maintenant. Écoutez, c'est pas la meilleure cachette du monde, mais après, je suis parti sur une planche et vous avez vu que les cachettes des planches, c'est pas fou. Mais en tout cas, j'aime bien parce que je suis dans le coin. Donc, on peut passer inaperçu si le mec est nul. Bon, s'il est un peu bon. Il y en a 14 qui cherchent, mon pote, direct. Non, qu'est-ce que tu racontes, mec? Il y en a 7 qui cherchent. Ah, ouais, je suis. Ah, le génie, quoi. C'est pas Véloin, non, pardonne, c'est pas. Personne te juge, sauf moi. Alors. Non, regardez ce que j'arrive à faire quand je mets l'épée, c'est... What? Oh. Il va se faire trouver. Il était sur moi. Et il t'a trouvé? Non, il a marché sur moi, il m'a même pas... Oh, débile. Ça c'est rigolo. Il a marché sur moi. 2 minutes 50. Eh, finalement le deuxième étage, les amis, c'est pas si mal. En plus, on a pas la caché la plume du deuxième étage, honnêtement. Il y avait deux là, des chercheurs. Écoute, moi pour l'instant, personne n'est rentré dans ma salle. Personne n'est rentré dans ma salle, pour l'instant. On est pépère. Allez, franchement les amis, on y croit. J'avoue que j'ai un petit peu peur parce que je vous cache pas. Bon, ils vont voir ça. Je sais pas s'ils vont tilter direct. Y'a moyen qu'ils tiltent ou pas, mais je dépasse un peu quand même. Oh, MDR, la blague Fortnite du jour. Merci, Loan. Merci beaucoup. De rien. Une carte Google Play cachée dans la vidéo. N'hésite pas à la retrouver pour gagner cet argent. Malheureusement, ta chaîne YouTube aussi cachée. Malheureusement, ta chaîne YouTube aussi a disparu. Oh là là. Mais c'est vraiment regrettable, hein. Vraiment, on regrette, hein, cette disparition de chaîne. On pleure, hein. Non, pas du tout, on pleure tous. On fait tous la fête. Oh là, il y a une meuf qui arrive. Mais tu sais que j'ai mis super bien ce mec, hein. Genre, vous voulez une démonstration d'intro à la Code for Lane? Parce que vous arrêtez pas de dire que je suis Code for Lane alors que c'est pas moi. Merde, moi, ça me fait rire, hein. Attends, je prépare un truc Code for Lane, mec, attends. Regardez, il fait un dos de mer à son chien. Mettez un gros pouce bleu si vous êtes cool à maltraitance des animaux, genre. Horrible. Eh, mettez un like si on dirait que c'est Code for Lane. En fait, c'est trop marrant. J'ai mis le commentaire qui me disent que c'est pas moi les mecs, d'accord? Je suis pas Code for Lane, je vous le dis clairement. Juste, j'ai une voix qui lui ressemble à, enfin, qui ressemble un peu à la sienne et du coup, tout le monde pense ça. Et à 6 minutes 30. Du coup, vous avez remarqué, j'imite bien parce qu'on a, presque la même voix. Mais quand même, c'est pas moi. D'ailleurs, non, mais c'est bien que YouTube. Oh, il y a un mec dans ma salle, Il m'a pas vu. Ok, il est où? Recherchons Captain Kirk. Il va mourir. Oh non.
Non, non, repasse pas. Yes, 40 secondes. Mec, on fait partie des deux qui n'ont pas été trouvés. Est-ce que c'est pas beau ça? Mesdames et messieurs, est-ce que c'est pas beau? 30 secondes. Non. Mais c'est quoi ce voitisme, gros? Tu me trouveras pas, loulou. Tout ne me trouvera jamais. Alors là. Tu sais, j'ai envie de continuer à faire des lives, mais on va arrêter parce qu'après ils vont voir encore que c'est vrai. Du coup, j'arrête de troll. Je vais te trouver, mec. Oh là là. Tu me trouveras jamais, mec. Oh, y'a un mec. C'est Loulou. Non. Casse-toi. Non. Espèce de chien. J'étais à 5 secondes à la fin. T'as le seum. Je te déteste. T'es sérieux là? T'avais dit quoi, mec? Je t'avais dit t'allais me pisser dessus. Mais vas-y, c'est même pas toi qui vas trouver, espèce de chien. Genre, c'est l'autre mec d'à côté. Toi, t'es venu comme un gros chien pour me ramasser, genre... Ah, je te déteste, j'allais gagner. Il y avait 5 secondes, j'aurais dû bouger. Ah, je m'en veux. Allez, c'est reparti les amis. Je déteste Elon officiellement, c'est bon. À 5 secondes de la fin, il m'a trouvé. C'est même pas lui qui m'a trouvé, il est juste arrivé. Genre pour me ramasser. Alors, aucun honneur. Ah, t'as tu n'as aucun honneur, Elon. Alors, on part sur le pot de fleurs les amis. Maintenant, quand je dis quelque chose, tu vas avoir peur. Oh non, c'est la map CSGO, c'est trop dur de se cacher ici. Mec, j'ai une putain d'idée, mon père le chacal. Bah, si c'est moi qui cherche, gros, mais je m'en fiche, hein. Genre, je cherche que toi. Dis-moi ce que t'es au moins, sois fair play. Attends, ouais. Moi je suis un pot de fleurs, dis-moi ce que t'es. Non, on va pas dire ça tout de suite. Non, gros, je dirais rien du tout. Quoi, t'as peur? Est-ce que tout à l'heure tu savais pas que j'étais une planche, hein? Vas-y, je suis un. Voilà, merci. Mort. C'est un peu quoi. Un peu de fair play là. Sale bâtard, va. Alors. Il a failli pas me le dire, vous vous rendez compte ou pas, genre? Je sais pas où mettre, les amis, je sais pas où mettre. Les amis! Nul, la cachette, nul! Je vous offre un iPhone 10 si vous m'envoyez. Mais c'est pas ça, c'est Mohamed et Nick, j'imite là, on est passé, on a laissé tomber Code for Land, mec, t'es trop tard, mec. Code for Land, on le fait une fois, gros, on change de youtubeur après. Ah, d'accord. Oh, y'a un mec là. Et salut à tous les amis, salut la flash Pokémon, les amis, on se retrouve pour YouTube de Pokémon. Genre, je suis rapide, hein, je suis plus rapide que lui, les gars, genre pour parler. Hein. Aujourd'hui, les amis, on va faire un petit unboxing. Dans la vraie vie, il est bien sûr qu'il parle pas vite, hein, mais il est vraiment posé, genre, il parle doucement et tout. De qui? David. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je vais parler, donc. Ouais, je l'ai vu à la puce bleue. Tu sais, depuis tout à l'heure, comme j'imite des youtubeurs, je suis pas concentré du tout, je fais des tours sur la map depuis tout à l'heure. Les abonnés me voient en train de me balader sur la map, gros, genre. J'ai toujours pas trouvé de cachette, les amis, hein, pour un petit pot de fleurs. Je vais poser mon pote à la tranquille. Jamais tu vas me trouver. Attends, qui tu veux qu'on imite d'autre? Ça peut être drôle là, attends. McFly et Carlito. Non, mais je sais pas le faire, genre c'est juste bonsoir et après. Ouais, mais ça c'est pas imité, mec. Enfin, c'est juste faire genre. Je répète les phrases, quoi. Tu veux faire quoi? Attends, mais des youtubeurs qui ont des intros assez rigolotes, genre. Squeezie, non. Attends. Yo tout le monde, c'est Squeezie! Ouais, mais attends, c'est quoi l'intro de Fuse déjà? Yo tout le monde, c'est Fuse! Et aujourd'hui, on se retrouve! C'est Fuse! Et aujourd'hui, on se retrouve! On a dit ça comme ça, mec. On se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium! Tout le monde, c'est Fuse! Tu vois, genre, il est. Bon, mec, je suis désolé, les abonnés, je me balade depuis tout à l'heure. Bah, ça vous dérange pas, hein. Voilà, on discute, on imite des gens, ça doit vous faire rire. En tout cas, je suis toujours à la recherche d'une bonne cachette. Voilà, il y a deux mecs qui cherchent, donc voilà. Ils sont extrêmement nuls dans cette game. Je peux pas aller seul ici. Bien, j'attends qu'on me trouve. Hein, bah, mec, moi je me balade parce que je sais pas où me cacher en fait. Je te cache pas, je suis un pot de fleurs. Et je vois aucune cachette intéressante pour un pot de fleurs là-dedans. Là. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des pots de fleurs partout. Ouais. Je suis sur une table là. C'est toi? Où t'es? Allez. C'est mort, tu me dis tu sautes, je te montre. Oh, je sautais. Non, mais ils sont trop nuls, mec. Ils sont trop nuls, gros. Ils ont trouvé deux personnes. Je sais pas si tu te rends compte. Moi aussi, j'ai une autre cachette, c'est pour ça. On se met là, les abonnés? Ah, oh, non, j'aime pas. C'est quoi, on va rester dehors? Ils ont l'air hyper nuls, genre. Moi, je me balade. Ils sont nuls. Attends, il y a. Allez, tu sais quoi, c'est le premier cachette, on peut faire ça. Attends, j'ai réfléchi qui imiter là. Ça pourrait être drôle. Ah, Ami Jirachi. Mais non, mais coucou. Genre, voilà, c'est bon, c'est imité. Coucou. Attends, je vais refaire le David Lafarge, mec, parce que attends, je l'ai fait trop vite, genre. Et salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, bonjour les amis, on se retrouve pour un tube sur deux boosters, les amis, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, les amis, c'est vraiment très cool. Faut insister sur les amis, mec, les amis, c'est vraiment très important, tu vois.
Ouais, tu peux. Oui. La farge avec ta voix. Ça va être super drôle. Ouais, mais ils sauront pas que c'est moi, ou alors tu dis que. Alors, j'ai pas fait en sorte qu'ils comprennent que ce soit moi, genre. Dire, oh, t'as la même voix que David Lafarge, et vous voilà. Pas dans tes commentaires. Eh, franchement, je préfère que vous me disiez que je suis David Lafarge que Code Forlane, parce que franchement, Code Forlane, c'est honteux. Genre, honnêtement, ça me fait honte que vous me dites ça. Au pire, David Lafarge, honnêtement, ça me dérange beaucoup moins, parce que Code Forlane, les mecs, genre, c'est pas flatteur du tout, quoi, de me dire ça. C'est sûr. Allez, 1 minute 40, mais mec, on les troll tellement. Je vais me repasser dessus, on paraît que si tu veux, il va sauter. Voilà. Il va marcher. Attends, parce que là, je suis un peu en mauvaise posture. Ils sont nuls. Ils sont 5-6 et ils arrivent pas. Hop, ah là. Attends, parce que je suis poursuivi. Est-ce que je suis poursuivi? Non. Ah ouais. Je suis pas poursuivi. Allez, trouvez-moi là, c'est pas drôle. Attendez, on va essayer de se trouver une cachette facile, amis, parce que là, ils ont l'air un peu plus chauds que tout à l'heure. Vous voyez, ils sont un peu plus excités. On va aller du côté des bureaux. Il commence à avoir à faire dans son slip le petit capou. Qu'est-ce que tu racontes? Il commence à avoir peur, c'est une explosion. Merci, Ilouane, de m'apprendre la langue française. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que je dis quelque chose de méchant? Il s'est vexé alors que j'ai rien dit de méchant, quoi. Allez, à toi de faire des imitations un peu là, j'ai imité tout le monde là. Tu veux que j'imite Attends, mais youtubeur vraiment marrant, genre attends, intro vraiment marrante, c'est très caractéristique, il y en a forcément plein, genre. Le mec regarde personne, quoi. Si, je regarde, mais pas des mecs forcément qui ont des intros connus, tu vois. Genre, moi je regarde plein de mecs, mais. Là, bonjour! Ouais, mais ça c'est pas. Oh, beurre. Salut tout le monde, c'est votre cas! Ouais, mais là c'est pas très drôle parce que c'est genre juste une phrase, tu vois. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. 20 secondes. Bon, on a 8. Limite, là je peux sauter, tu vois. Genre, je vais balancer la première fois la sauce. Le mec me voit même pas. Le mec est trop nul. Le mec est trop nul, quoi. Ils sont teubés. Je bouge devant lui. Ils viennent tous de passer devant moi. Salut. Vous avez perdu, les gars. C'était mal joué. Ok, ok, sale menteur. Alors, vraiment, je retiens. Bon, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé les petites imitations. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. A plus sur les prochaines aventures. Ciao, tout le monde.